Envie de prendre l'air. Envie de prendre l'air, évidemment, aujourd'hui, avec Yves Leblévesque, avec le team actuel, avec Samuel Tual. Vous êtes en live Facebook, nous sommes ici, sur un plateau, sans public, et je peux vous affirmer, chers amis, fans et passionnés de voile et de vol, que c'est un jour de fête. J'espère que vous allez bien. Nous allons passer ensemble 1 heure sur ce plateau, et nous allons avoir des invités, nous allons avoir des surprises, des magnétos, des journalistes. Et toujours le même message à tout niveau. Écouter, partager, transmettre et donner du sens. Et surtout, l'envie de prendre l'air. Yves Leblévesque aujourd'hui qui va bientôt nous rejoindre. Vous pouvez nous laisser des messages, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Je sais que vous êtes très nombreuses et très nombreux à nous suivre, ainsi que sur toutes les agences actuelles. Même s'il n'y a pas de public, il y aura de l'émotion. Nous sommes sur un fin de chantier, sur la fin de ce chantier, et il peut y avoir des aléas, c'est les aléas du direct. En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et priorité à l'action, il y aura la mise à l'eau, il y aura le grutage, il y aura le mât, il y aura ces personnes qui sont clés dans ce projet. Donc, nous sommes ici, vous le voyez, avec une magnifique journée. Nous sommes à Lorient, c'est la base des sous-marins, qu'on pourrait même rappeler la base des ultimes. Nous sommes dans le Morbihan et les conditions sont au top. Nous sommes aussi dans un contexte particulier, à quelques centaines de mètres d'un centre de vaccination. On pense à vous et dans quelques instants, maintenant, il est temps de découvrir ce que vous attendez toutes et tous, le nouveau trimaran d'Actual Group avec Yves Leblévesque. Yves, c'est maintenant. Bienvenue. Gagner l'étape et gagner la mini, c'est un rêve de gosse. Elle est trop belle, l'histoire. Elle est trop belle. 3 minutes du départ, les gars. 2, 4, 3. Ah, on est à 39. Ah, ça envoie. C'est vraiment super dur. On est tout près, on est à 800 000 de l'arrivée. J'ai jamais été aussi près. 1h40 de l'allée. Ok, j'accélère. J'espère que vous avez apprécié ces images. Elles ont été tournées ce matin, cet après-midi, les jours précédents. Bienvenue sur le plateau, Yves Leblévesque, skipper, team manager, directeur de course et élu. Bonjour Yves. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour François Gabart, skipper, fondateur et patron de l'écurie de course au large Merconcept, légende. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va super. Et nous avons aussi le plaisir et le privilège d'avoir Jean-Louis Letouzet, journaliste qui suit la course au large depuis quelques années. Bonjour à tous. Le privilège, je suis un privilégié de venir vous voir. Voilà.
Eh bien, nous allons partager ces privilèges. Je vous l'avais dit, hein, il y allait avoir des sourires, c'était un jour de fête. Yves Leblévesque, c'est le jour J. Et cette journée, elle a commencé, mais elle est incroyable, elle est intense. Comment ça va ? Eh bien, ça va très bien. Et ça, évidemment que ça va très bien. C'est une journée exceptionnelle, c'est une journée très importante pour moi, pour commencer, puis pour toute l'équipe, pour tout le team, et pour tout Actual et les collaborateurs du groupe Actual qui nous suivent. Parce que là, derrière, on a sorti ce matin notre bateau du chantier. On a vu hein, dans une mise en scène incroyable. Enfin, et c'est vraiment un très grand moment parce que c'est une page qui se tourne où on a fini de travailler sur le bateau, de mettre le bateau, de toute la partie chantier du bateau pour vraiment faire en sorte qu'aujourd'hui, là, tout à l'heure, le bateau va rencontrer son élément. Et là, c'est en live, hein, c'est un direct, il est derrière nous maintenant. Bien sûr, hein, toutes les actions importantes, on va les suivre avec toi. Il y a vraiment des moments forts dans cette mise à l'eau. Mais sur ce bateau, évidemment, c'était essentiel d'avoir François Gabart. Et je pense que ce bolide, il a une si belle histoire déjà. Et qui mieux que François Gabart pour en parler ? On pourrait parler du Tour du Monde avec le record du Tour du Monde en 2017. On pourrait parler aussi de la Transat Jacques Vabre en 2015 qui avait été gagnée avec Pascal Bidégory. En 2019, vous aviez François Gabart et l'équipe, la Rolex Fastnet, c'était la deuxième place, la deuxième sur Brest Atlantique. Ça doit faire bizarre là, de voir ton bateau, François, avec ce transfert. Raconte-nous un petit peu toute cette histoire. Il y a toujours beaucoup de plaisir à revoir ce bateau. C'est vrai que j'ai eu la chance de vivre avec la Massif des années exceptionnelles sur ce bateau-là. Et voilà, j'en suis un petit peu amoureux, je vais dire, de ce bateau. On a vécu de belles aventures, des choses incroyables, des émotions qui sont dingues, qu'on arrive à vivre finalement que sur ces bateaux. Et j'ai toujours trouvé très beau, sous les couleurs de la Massif. Et là, je dois reconnaître, je suis peut-être pas très objectif, mais je dois reconnaître que je le trouve aussi très joli, ces nouvelles couleurs. Et ça me fait plaisir de... Un bateau, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a toute cette partie-là qu'on voit, qu'on a vue sur les courses. Mais ça même, le projet, il a commencé bien plus tôt. Il a commencé en 2013. L'histoire de ce bateau, elle a commencé en 2013 avec la Massif, quand on a lancé ce projet-là. C'est des années de travail, beaucoup de... Il y a eu des galères hein, avec ce bateau, enfin, je veux dire, ça n'a pas été tout simple, il y a eu beaucoup d'énergie humaine en tout cas qui a été mise dans ce bateau. Et finalement, savoir que le bateau va continuer à naviguer, va, je l'espère avec Yves, vivre belles émotions aussi avec ce bateau. Je sais qu'il a une super équipe autour de lui, Yves, pour bien s'en occuper. Et ça, c'est un vrai plaisir, une vraie fierté quelque part de voir que ce bateau va continuer à exceller. Jean-Louis, vous aimez, vous appréciez le côté humain. Là, on est avec deux très belles histoires. L'histoire de François Gabart et de cet ultime en tant qu'observateur, comment vous l'analysez ? C'est une question bien difficile parce que quand vous me posez la question, j'ai toujours les journées sont toujours des réponses un peu qui sont liées à l'antiphrase. Humain, inhumain. Et comme observateur attentif et occasionnel et un peu alternatif de ce milieu, j'ai toujours pensé que d'aller sur ce genre de bateau, c'était finalement être un peu candidat pour un aspect un peu inhumain. Et en fond, l'histoire des hommes, l'intelligence des hommes, parce qu'on a bien vu que sur la Coupe de l'Amérique, aujourd'hui, les bateaux vont 4 fois plus vite que la vitesse du vent. C'est absolument prodigieux. Mais ces bateaux, pour aller du point A au point B, comme disait Yves tout à l'heure, nécessitent à la fois de l'intelligence, du courage. Et la question du courage est une question qui m'a toujours intéressé. Et je me dis, c'est quoi le courage, au fond ? Le courage, est-ce que ça serait d'affronter sa propre peur ? On en reviendra peut-être tout à l'heure. Et concernant la question que vous m'avez posée, je ne sais pas quoi répondre, mais j'avais deux souvenirs. Un souvenir qui concerne Yves et un souvenir qui concerne François. Le premier souvenir de Yves, c'est je couvrais à l'époque avec d'autres confrères la Mini Transat, une course pour le journal Libération qui ressemblait un peu à ce journal. Petit, modeste et avec une petite pointe d'arrogance malgré tout. Et je fais une rencontre d'Yves et elle m'a beaucoup marqué ensuite, d'abord par le profil d'Yves, par ses résultats. Et comme je vous le disais, je l'ai regardé un peu de manière alternative de temps en temps. Il est resté une sorte comme ça de sympathie lointaine. Et
comme si on pouvait encourager quelqu'un à travers la pensée. Ça a été mon cas. Et puis le deuxième souvenir que j'ai, qui est lié à François, qui est aussi à Libération, dans lequel j'ai passé beaucoup de temps, c'était un jour lors d'un Vendée Globe. Et je cherchais en fait quelqu'un qui pouvait en fait vulgariser quelque chose de compliqué qu'est la météo. Pour un esprit cartésien, c'est absolument compréhensible, mais pour le mien, c'était un peu compliqué. Il s'agissait d'un challenge. Je demande à François, par l'intermédiaire d'une personne qu'on connaissait mutuellement, si elle pouvait, en fait, cette personne, donc François, m'écrire un texte dans Libération pour me raconter une situation météo. Et je reçois le papier au format, à la longueur, sans aucune forme de faute de syntaxe, une ponctuation impeccable. Et je me dis, mais c'est pas possible. C'est un journaliste ou un écrivain. Non, c'est un scientifique qui m'a envoyé un papier qui était limpide et j'avais tout compris. Et il fallait faire vraiment un effort considérable pour que je puisse comprendre la météo. Ce qui est toujours le cas, d'ailleurs. Merci beaucoup, Jean-Louis. Je pense que ça vous touche tous les deux, de par la sincérité et la justesse hein, des mots Yves et François. Oui, j'ai un joli souvenir de cette rencontre au départ de la Transat, de la Mini Transat en 2001, où c'était mes premières armes en course au large, mais aussi mes premières armes avec le monde de la presse, parce que ça va avec. Et j'avais été assez surpris d'intéresser un grand journaliste de Libé, avec mon modeste projet. Et c'était une jolie rencontre, effectivement. Ok. Et François aussi. Toujours ça fait très plaisir, évidemment, parce que c'est toujours un grand plaisir de lire les papiers de Jean-Louis, donc avoir les compliments de Jean-Louis sur le sujet de la langue française, c'est toujours plaisir. Mais en tout cas, la passion pour la météo, c'est évident, elle a toujours été là, elle le sera toujours. Et si on arrive à transmettre et à partager, c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec nos histoires et nos bateaux. Sur la transmission et sur le partage, parlez-moi un petit peu là, de la compatibilité de cette ultime. Toi, Yves, quand tu as vu François Gabart en tant que concurrent avec cette ultime, et ensuite, François, de voir maintenant cette ultime entre les mains d'Yves Lebévec, est-ce qu'on est 100% compatibilité? Bah, je sais pas, on va voir la réponse que va faire François. Mais, tu prends la main, Yves. Je prends la main. Mais en tout cas, je pense qu'on est avant tout des passionnés. On est avant tout, mais fondamentalement passionnés par ce qu'on fait. Et on a ce privilège, en tout cas cette chance incroyable de naviguer sur des machines à vent formidables. Et non pas de les naviguer, mais en plus de les concevoir, de les faire progresser, de les pousser dans les limites, de les casser un peu de temps en temps, enfin on évite. Et tout ça, je pense que même si au départ d'une course et dans les départs de, probablement des prochaines courses, on va être concurrent avec François, il y a malgré tout des choses qui nous rapprochent fondamentalement. Et lorsque François m'a remis les clés du bateau, parce que c'est à peu près ça, il n'y a eu aucune... en tout cas, c'était très clair sur ce qui était transmis, beaucoup, et ce qui n'était pas transmis, parce que ça, c'est très clair, j'ai envie de le garder, je le garde, et puis c'est très clair. Mais l'essentiel est transmis, et puis avec quelque chose de très ouvert. Et moi, j'ai beaucoup de curiosité. Déjà, c'est pratique d'avoir quelqu'un avec qui la discussion est facile. Et puis ensuite, c'est passionnant de voir comment le bateau était conçu. C'est au-delà du fait d'avoir le mode d'emploi, c'est aussi de comprendre... toute la logique et comment s'est construit la conception de ce bateau-là. Et ça, pour un technicien passionné comme moi, c'est une richesse incroyable. Donc oui, la collaboration, elle en est qu'à ses débuts. Ouais. Pareil, François, d'ailleurs, il y a une petite, c'est une petite coïncidence, vous faites la même taille, c'est pratique pour ce bateau, non? Oui, c'est exactement, il faut avoir la bonne taille du bateau. C'est vrai que des fois, ça, pour les grands gabarits, ma dernière course avec ce bateau, contre Yves, dans le garage, j'étais avec Guénolé Gainé, qui est quand même assez grand. C'est vrai qu'il était obligé un peu de se plier pour rentrer dans le cockpit, donc on est la taille est parfaitement compatible, et pour répondre un peu à cette transmission, c'est vrai que j'ai eu la chance de naviguer avec Yves sur le bateau sous ses anciennes couleurs avec la Massive donc l'an dernier et de le faire voler pour la première fois, si je dis pas de bêtises hein, Yves, je crois que c'était ton premier vol en bateau. C'est quand même quelque chose qui me fascine, qui nous fascine tous ici je crois dans cette catégorie de bateau avec ces nouvelles machines incroyables. Ça reste aujourd'hui assez extraordinaire et ça reste compliqué de voler au large aussi longtemps avec des bateaux qui sont capables d'aller à plus de 40-45 nœuds, quasiment à 100 km à l'heure sur l'eau. Et j'ai beaucoup de respect pour Yves et son sens marin qui, je pense,
à peu d'égal dans le milieu. Et par rapport quelque part à cette mission qu'on lui donne un petit peu avec ce bateau, de dire voilà, maintenant faut le faire voler ce bateau, faut le faire voler au large longtemps. Je suis convaincu que Yves a cette capacité, ce sens marin pour être capable de tenir en équilibre sur l'eau pendant de nombreuses journées et naviguer en souplesse pour arriver à faire voler longtemps ce bel oiseau. Merci beaucoup Jean-Louis, merci beaucoup François, on va vous retrouver plus tard. Mais là, on a le privilège, Yves, de découvrir le bateau. On va vous envoyer un magnéto et je pense que cette visite, elle est appropriée. Let's go Marco, on va à l'intérieur. Nous voici à bord de Actual, dans l'espace de manœuvre. Je vous invite à venir faire un tour à l'intérieur. Donc voilà le poste de commande du bateau. C'est le centre opérationnel et le centre nerveux du bateau. C'est là où arrivent toutes les manœuvres et c'est là où se prennent toutes les décisions. Ici, là, on a énormément d'informations. Alors ici, c'est un petit panneau qui me permet d'avoir toutes les informations concernant la force, la direction du vent, le cap. Et également, ici, j'ai un dispositif qui sert à faire fonctionner le pilote automatique. Ici, il y a ce qu'on appelle des winches, les petits pots de fleurs. Hein. C'est ce qui permet tout simplement de piloter les manœuvres. Pour faire simple, tu vois, quand je tourne la manivelle ici, ça va faire tourner ce winch-là. Je passe là, c'est le petit winch qui tourne. Donc là, ça nous permet de border, choquer les voiles, hein, de les tirer, de les reprendre. Donc ça, c'est la partie cordage, la partie barre, et puis il y a toute une partie hydraulique qu'on a. 18 vérins qui permettent ou bien de mettre de la tension dans le gréement, ou bien de faire basculer le gréement d'un côté ou l'autre, ou bien de monter et descendre les foils, ou bien régler les incidences des foils. Il y a énormément de fonctions. Maintenant, là, on a fait le tour du bureau et de la salle de sport. On va rentrer dans les appartements, si on veut, quoi. Donc, si tu veux bien me suivre. Donc là, me voilà rendu dans ce qu'on appelle la cellule de vie. L'ordi est là, j'ai un petit clavier ici, une petite souris qui s'accroche ici. Avec l'interface de l'ordinateur, il y a la cartographie qui me permet de savoir où on va et de définir la meilleure route. Et puis, il y a tous les outils de performance. Depuis mon fauteuil, tant qu'on est dans le fauteuil, je peux quand même me préparer un truc à bouffer. Hein, la cuisine est là. Ce n'est pas un bateau optimisé pour l'équipage. Hein, c'est vraiment optimisé pour le solitaire, l'équipage réduit. Et puis, quand j'aurai envie de me faire une grande sieste, je peux sortir la banette ici. Là, ça me permet de dormir avec toujours, selon les conditions, une ou plusieurs écoutes pas très loin. Et j'ai moyen de choquer directement s'il y a quelque chose qui se passe. Donc ça permet de se reposer tout en ayant toujours la main sur le bateau. Et maintenant, je vais vous emmener vraiment dans les entrailles du bateau. Ok, donc bienvenue à l'intérieur du bateau. L'intérieur de la coque, là c'est la salle des machines en quelque sorte, hein. C'est là où il y a tous les systèmes embarqués. Ça c'est relié à la barre, et ici on a tous les vérins de pilote automatique qui sont là. Ça tourne avec la barre que je faisais tourner tout à l'heure. Ici il y a un truc qui est très important, c'est la trappe de sortie du bateau. Si le bateau venait à chavirer, ça permet de sortir. Donc ça c'est un élément de sécurité vraiment important. Voilà, la visite de fin de chantier est faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre à l'eau. Moi, je suis super impatient, mais il n'y a pas que moi. Il y a toute l'équipe, tout le team actuel là, qui bosse sur le bateau depuis 4 mois maintenant. Et là, c'est vraiment un grand moment pour nous et moi, j'ai vraiment hâte. Retour sur le plateau et retour sur l'action avec le grutage qui a lieu et qui vient de nous rejoindre. Samuel Tual, président d'Actual Leader Group. Je vais présenter dans quelques secondes. Yves, au niveau de l'action, on est au cœur de l'action, on avait dit que c'était du live derrière le bateau vole. Écoute, voilà, un bateau qui vole. Bon, là, il est accroché à la grue, mais on est dans le moment quand même très important où on va remettre à l'eau le bateau. C'est quand même son élément naturel. Hein. Et là, on est voilà, à quelques secondes de la mise à l'eau de Actual Ultime 3. Samuel, t'es prêt ? Bah voilà, donc Samuel, vous êtes le président d'Actual Leader Group.
en vous saluant, il faut que je salue aussi tous les collaborateurs et les partenaires d'Actual Group, parce que nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui nous suivent et qui croient et qui rêvent avec ce projet. Je rappelle quelques chiffres, 470 agences, 2900 collaborateurs, 120 000 intérimaires accompagnés et plus de 22 000 clients. Donc il fallait forcément, Samuel, un ultime pour embarquer tout le monde dans ce rêve. Ouais, je ne sais pas s'il fallait un ultime, mais effectivement aujourd'hui c'est un beau moment de partage dans ce contexte qui est encore si particulier. Donc nous avons tous besoin d'air et donc moi je suis ravi qu'on puisse aller au bout de ce projet dans ce contexte parce que effectivement les équipes le méritent. Regardez Samuel, je me permets de couper, mais voilà, le bateau va toucher. Il y a très peu de public, mais l'émotion est ici. Attention. Va-t-il flotter ? Ça y est, bravo. Oui, c'est effectivement un moment très particulier. Donc il était sorti du hangar ce matin, avait fait voir ses couleurs. Hein. Bon, il flotte, c'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant. Un énorme challenge ici, hein, du hangar jusqu'ici, ce sont quelques centaines de mètres. Mais il fallait passer en face du centre de vaccination, entre les différents hangars, en face des concurrents qui sont des copains aussi, qui saluaient. Voilà, donc mise à l'eau en direct. Ton émotion là cache comme ça, Yves ? Ah, j'ai une petite larme hein, là quand même, parce que c'est des moments importants où c'est le début d'une nouvelle aventure. François l'expliquait très bien tout à l'heure, où voilà, avec les bateaux, ça peut être des objets. On vit, c'est des objets qui nous emmènent assez loin dans nos challenges perso. Et voilà, c'est une page qui s'ouvre. Donc, non, c'est important. Là, on a été pris par le direct, par l'action. On va quand même falloir, Samuel, recadrer un petit peu. On est donc en live Facebook. Qu'est-ce que Actual Group ? Nous donner quelques informations et puis après revenir sur cette course et cette notoriété et ces bateaux et cette histoire avec Yves. Donc d'abord, qu'est-ce qu'Actual ? Très simplement, c'est un réseau d'agences d'emploi qui propose des solutions pour l'emploi et des compétences. Donc, c'est-à-dire que notre mission au quotidien consiste à donner du travail aux candidats à l'emploi et fournir des compétences aux entreprises. Et pour ça, nous avons toutes nos agences et nos activités expertes qui proposent et qui accompagnent les demandeurs d'emploi dans ces différentes missions. Nous sommes dans le 56 et bientôt tu iras sur la Trinité, l'Orient, la Trinité, mais je vois 53 partout. Pourquoi 53 ? Parce que c'est le numéro du bateau, il fallait bien l'immatriculer, mais effectivement c'est un petit clin d'œil à notre département d'origine, la Mayenne. Et donc nous sommes fiers de nos racines et donc on est content de porter ce numéro 53. Là, ça va être mon challenge. Est-ce que vous seriez capables tous les deux de me résumer le début de cette histoire entre Actual Group et Yves Leblévesque ? Car cette année, c'est 20 ans. 20 ans de collaboration, 20 ans de défis, de réussite, d'échecs, mais de partage et de confiance. Comment vous allez pouvoir, en quelques mots, quelques minutes, me résumer ça ? Je pense que on peut résumer ça tout simplement en disant que c'est avant tout une rencontre avec un homme qui avait un projet et qui rêvait de réaliser une transat, une traversée de l'océan. On lui a rendu ce rêve accessible en l'aidant modestement pour sa première mini-transat. Et puis l'histoire a fait qu'on a appris à se connaître. On a monté un premier projet de construction d'un prototype pour gagner la mini-transat. Il a rempli l'objectif en gagnant cette mini. Et effectivement, après, l'histoire continue, ça s'emballe et les projets évoluent en fonction de son souhait d'évolution au niveau sportif, mais aussi en même temps que l'entreprise évolue. Et donc, on a une belle corrélation entre l'évolution du projet sportif et l'évolution de l'entreprise. Et on peut effectivement saluer la fidélité, d'une part, et puis les engagements respectifs qui ont été partagés pendant 20 ans. Donc, c'est une belle histoire. Tu partages, je pense, les mots de Samuel. C'est une belle histoire avec du partage. Et depuis 20 ans, voilà, à chaque fois, la confiance est une succession d'événements. Bah évidemment, c'est une belle histoire. C'est une histoire de femmes et d'hommes, de gens qui travaillent, qui croient en leur travail, qui essayent de bien le faire. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire parce que
parce que même si c'est une passion de faire naviguer les bateaux, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. C'est devenu un travail parce que il faut quand même un peu structurer tout ça. Aujourd'hui, dans le cadre de ce travail-là, que j'essaye de faire le mieux possible, il y a quelque chose où je pense que je suis assez chanceux, c'est que le groupe actuel a considérablement progressé depuis 2001, depuis 20 ans. Alors peut-être grâce à l'image de la course au voile, hein, probablement, mais peut-être pas que. Et en tout cas, ce progrès-là, il nous a permis ensemble de porter des projets de plus en plus ambitieux. Et jusqu'à aujourd'hui, où là, je pense que l'image de l'ambition, elle est parlante, oui. Elle est parlante. On a une machine avant extraordinaire. On a un des multicoques les plus rapides de la planète. Enfin, c'est une histoire de travail bien fait. Voilà. Avec ce trimaran, qui a eu l'idée ? Qui est-ce que c'est toi, Yves, à un moment, à une réunion, à proposer à Samuel ? Ou est-ce que vous, Samuel, vous êtes dit, là, il faut que je contacte Yves, il y a quelque chose à faire avec cet ultime-là ? Non, pour dire la vérité, c'est Massif qui a eu l'idée, qui a provoqué la situation en mettant en vente ce bateau, ce qui n'était pas prévu initialement dans notre projet de changer de bateau maintenant. Mais je crois qu'il faut savoir aussi saisir les opportunités qui se présentent à nous. Et donc, de façon assez simple, au mois d'août, quand l'annonce a été faite de la mise en vente du bateau, j'ai simplement passé un petit coup de fil à Yves pour lui demander ce qu'il en pensait et si l'aventure le tentait. Et puis voilà, on est là aujourd'hui pour partager ce moment à cet instant. Ça a été quoi la réaction, Yves ? Tu te rappelles les mots quand on te propose quelque chose comme ça ? C'est oui, pas mal, laissez-moi réfléchir. En fait, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît avec Samuel et que je sais quand il me demande ce que j'en pense. Là, en l'occurrence, c'était pas exactement. Il connaissait déjà la réponse, évidemment. Mais la vraie question était, est-ce qu'avec notre équipe actuelle, on saurait mener un bateau comme le Massif ? Donc à ceci, j'ai répondu oui. À deux, trois ajustements, évidemment que oui, Samuel. On va le faire. C'est une bonne idée. Une très bonne idée. Pour toi, qu'est-ce que cela va changer sur le défi sportif ? Parce que c'est une nouvelle dimension, hein, un projet encore plus grand, encore plus fou. Je pense pas que le mot fou soit adapté, mais au niveau du projet sportif. Ah bah ça change quand même beaucoup de choses dans la physionomie du projet sportif. Auparavant, par la force des choses, les bateaux dont on faisait l'acquisition étaient des bateaux qui étaient souvent un petit cran en dessous des autres, tout simplement parce que l'architecture navale évolue vite et puis que les bateaux plus récents étaient considérablement plus rapides. Là, aujourd'hui, même s'il y a peut-être un écart qui existe, il est beaucoup plus faible. Et en tout cas, à la différence des deux précédents ultimes que j'ai eus, là, aujourd'hui, j'ai un trimaran ultime qui peut gagner réellement, objectivement. Et ça change quand même un tout petit peu les choses. C'est que plutôt que de prendre les départs pour le départ d'une course dans le simple objectif de la faire et de faire le meilleur classement possible, ce qui est déjà bien, là, l'objectif, il est j'y vais pour gagner. C'est pas exactement la même... La gagne. Et c'est en corrélation, une fois de plus, Samuel Tual, avec Actual Group, avec la notoriété. Ça, vous vous suivez encore hein, au niveau des ambitions. Oui, effectivement. Là, en ce moment, le contexte qui nous est donné est quand même très très particulier. On a une crise économique à venir, une crise sociale potentiellement. Donc le sujet de l'emploi va être très important. Donc on a de nombreux défis à relever sur ce marché du travail. Donc il faut qu'on ait une démarche gagnante sur notre activité. Et je trouve que là aussi, il y a une corrélation avec le projet sportif qui prend une nouvelle dimension, avec une nouvelle ambition. Et je pense que ça nous colle bien et ça va bien avec le groupe. Et je pense que les collaborateurs sont ravis, sont fiers aussi d'avoir un support comme l'ultime, aussi performant. Et donc, on sera tous, évidemment, à soutenir le bateau dans les différents événements qui vont se produire. Petite question pour finir cette séquence. Les nouvelles couleurs, le design, JB Bron, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que là, ça y est, il est à l'eau. Est-ce que ça vous plaît ? On l'avait vu à l'intérieur, sous des lumières artificielles.
Ah, tu sais, à chaque fois qu'on sort un bateau de son chantier, on se dit, bah là, c'est le plus beau bateau. C'est le plus beau bateau. Alors, c'est à chaque fois comme ça, mais là, c'est encore plus le plus beau qu'à chaque fois. Voilà, je sais pas. Je suis d'accord, Samuel. Oui, bah, je partage le point de vue. Je pense aussi que c'est un très beau bateau. Il respecte évidemment toute la charte graphique du groupe. On a une évolution aussi sur le nom du bateau par rapport au précédent. On avait communiqué pendant 2 ans sur Actual Leader, qui était le nom du groupe, nouveau groupe constitué. On a décidé de continuer nos activités avec les deux réseaux dissociés de façon autonome. Et donc, il nous paraissait important de mettre en avant cette marque actuelle qui mérite aussi d'être encore promue pour être plus connue. Donc, tout va bien. Je peux vous dire tous les deux, hein, il n'y a pas de public ici sur Lorient que le plateau. Mais sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de qualificatifs. Hein, le bolide des mers, superbe oiseau, magnifique. Les images avec l'équipe technique, avec le drone sont magnifiques. Je peux vous dire que les gens, en tout cas, sont très, très enthousiastes. D'ailleurs, Yves, tu sais que tout le groupe est derrière toi. Et certains collaborateurs, à défaut d'être ici, ben, ont voulu envoyer un petit message. Donc, on envoie ce magnéto. C'est pour vous, les collaborateurs. Bonjour Yves, j'ai des petits messages pour toi. Salut Yves, à fond les voiles. Toutes les équipes de CCLD sont avec vous. Et surtout, continuez de nous faire rêver. Plein de bonnes choses pour cette nouvelle aventure avec ton nouveau bateau. Bonne préparation et surtout, très belle performance. On a hâte de vous voir sous notre belle côte méditerranéenne pour fêter les prochaines victoires. Quel beau parcours depuis 2001. Toute l'équipe de l'Agence du Havre vous font des boujoux et vous souhaite bon vent. Bon courage ! On est tous avec toi ! Merci de nous faire partager un bout de rêve avec ce bateau et avec les aventures auxquelles vous participez. Faites-nous rêver ! Bisous ! Comme on dit chez nous, fiers des rêves, pas folies ! Bon vent, Yves ! Bonne mer, surtout ! Allez, Yves ! J'ai mis mon plus beau ciré pour vous souhaiter une belle mise à l'eau. Je vous souhaite une super aventure et comme on dit, bon vent. Merci de nous faire vivre ces belles aventures et on vous suit de tout cœur. À bientôt. On t'envoie tout notre soutien. Allez Yves. Allez Yves. Plein de belles aventures avec ce nouveau trimaran hors norme et faites-nous voler. On compte sur toi pour nous faire rêver, nous faire vibrer. En route. Pour la victoire! Bon vent à cette équipe et ramenez-nous plein de belles aventures. Bon vent pour le trimaran actuel. On vous souhaite de belles aventures, de nombreux partages et de la réussite. Bon vent pour les courses larges. Et bon courage dans cette nouvelle aventure. Bon vent et bonne chance! Les suprêmes te souhaitent bon vent! Donc Yves... Yves, j'ai formé toutes mes équipes ici en Guyane pour t'accompagner 7 jours sur 7, 24-24. Plus force Yves. Courage Yves. Force Yves. Allez la team actuelle. Garde le cap. Allez Yves. Continuez de nous faire rêver et voyager et bon courage pour la suite. Yves, nous te soutenons à travers vents et marées, mais pas que. Tu nous donnes à tous la force de tout déchirer à notre BTS. Encore bon courage, salut. Garde le moral. Bon vent à vous, team actuel. Ne lâchez rien. Bon vent. Ne lâchez rien et bon vent. Ça fait pas mal de collaborateurs de la Martinique, la Guadeloupe, le Grand Est, le Sud, partout en France, la Normandie, les Bretons. Un petit mot pour remercier les collaborateurs avant que je présente nos deux nouveaux invités. Bah c'est super sympa. C'est très chaleureux, très important. Moi, je suis très touché d'être soutenu par les gens qui travaillent pour Actual, qui sont là au quotidien. Nous aussi, on travaille pour Actual, on ne fait pas le même métier. Et qu'on soit vraiment comme ça, dans la même équipe. C'est sincère. Hein. Moi, je trouve ça vraiment... je suis très touché. Hein, Samuel, vous ne les avez pas payés pour faire ces messages-là. Ah, non, c'est spontané. C'est leur bateau, donc c'est normal. Ouais. Ils sont fiers de ça, donc c'est bien. Super, bon, en tout cas ces équipes, donc si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, super pour vos magnétos et ces petits mots de soutien. Nous accueillons maintenant Jean-Bernard Le Boucher, bonjour, coordinateur bonjour de la classe ultime, bienvenue sur ce plateau. Bonjour.
Nous avons aussi Didier Ravon. Bonjour Didier, grand rédacteur chez Voile et Voilier. Bonjour. Donc j'imagine pour tous les deux aussi un grand moment. Samuel, on va revenir justement, et ce sera la transition avec Jean-Bernard, sur cette classe ultime qui commence à bien se structurer, parce que c'est une classe qui reste une classe assez jeune. Et il y a cette continuité entre l'ancien actuel, le nouveau. Donc voilà, comment tu vois un petit peu le présent et le futur sur cette classe ? Bah nous, c'est une classe qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça, hein, puisqu'on est rentré avec le précédent bateau il y a un peu plus de 2 ans maintenant. On s'y sent bien dans cette classe parce que c'est une belle classe qui rayonne. Et c'est une classe d'élite dont on est fier, qui donne une belle visibilité. Et je suis très content qu'on ait pu, bien sûr, continuer dans cette classe, mais aussi transmettre l'ancien bateau, actuel leader, qui a vocation aussi à rester dans cette classe. Donc, effectivement, avec Patricia Brochard, la présidente de la classe, on souhaite vraiment continuer durablement à donner de la visibilité à la classe ultime, parce que c'est des bateaux qui sont faits pour courir. Donc on peut faire des records, mais il est important aussi qu'on ait un circuit et de la visibilité sur les différents programmes. Et en ça, Jean-Bernard travaille le sujet avec nous et on est ravis de ça. Jean-Bernard, donc il y a des très belles courses, des très très belles courses pour ces ultimes. À quoi on peut s'attendre sur les prochaines années, vous qui allez coordonner, qu'est-ce qui va se passer exactement ? Alors déjà, si vous permettez, je voudrais juste féliciter Samuel Toal, président d'Actual, Yves, pour l'acquisition de ce nouveau bateau, puisque avant d'être coordinateur de la classe, j'étais aussi armateur de ce fameux bateau quand il s'appelait Massif. Donc voilà, la transition est faite. Entre armateurs de la meilleure des façons et franchement je leur souhaite et je souhaite à tous les collaborateurs d'Actual d'avoir beaucoup d'émotions parce que c'est des bateaux de dingue, ils sont capables d'aller très vite, donc de battre des records, d'aller très vite sur les courses. C'est quoi donc, vos émotions? Je dirais que l'émotion est proportionnelle à la vitesse de ces bateaux, c'est toujours énorme et donc je leur souhaite le meilleur avec ce bateau. Nous, il nous a fait vibrer et je suis sûr que ça va continuer avec Actual. Voilà. Un temps fort, ouais, parce qu'on peut rester sur cette émotion justement, parce qu'il y a tellement de belles histoires sur cette ultime. Vous parlez d'émotion. Là, un moment avec François Gabart et cette ultime. J'irais pratiquement chaque moment, mais quand même le record autour du monde en solitaire de François, c'est quelque chose d'énorme, quoi. Voilà, quand on l'a vu arriver sur son bateau dans la rade de Brest et voilà, on croisait les doigts bien évidemment. On l'a vu avec le sourire quand il coupait la ligne avec ce record battu, effectivement, d'un peu plus de 42 jours. C'était quelque chose de fabuleux. Voilà. Mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres parce que la route du Rhum, sa deuxième place où il arrive coude à coude avec un autre ultime, c'était aussi quelque chose de fort. D'ailleurs, je crois que Samuel était à mes côtés. On était ensemble sur le ce jour-là. Et voilà, donc oui, c'est des bateaux qui procurent de réelles fortes émotions. Et qui permettent aussi d'accueillir pas mal de collaborateurs quand on fait des sorties en mer. Donc ça transmet beaucoup de choses, effectivement. Voilà, de beaux bateaux. Et donc sur les prochaines années, alors sur cette classe. Oui, alors la classe ultime, elle travaille, elle se construit progressivement. Donc elle est jeune, Samuel l'a dit, mais on a beaucoup d'ambition pour l'avenir. C'est une classe d'armateurs. Donc ce ne sont pas les coureurs qui sont membres de la classe, mais ce sont bien les armateurs, donc les propriétaires ou sponsors des bateaux. Et donc voilà, il y a un bateau qui se met à l'eau là, qui est magnifique. Il y en aura un autre très prochainement en Banque Populaire qui se mettra à l'eau, donc également un très très beau bateau. Et ensuite, il y en attend un troisième dans l'année, donc c'est pas rien, avec un bateau qui est en construction dans le chantier Mer Concept donc, de François Gabart. Pour l'instant, il porte un nom de code M101, mais on espère qu'il trouvera un nom dans les prochaines semaines, prochains mois, voilà, pour pouvoir courir effectivement avec l'ensemble des bateaux. Merci beaucoup. Didier Ravon de chez Voile et Voilier. Comment vous voyez ? Vous avez l'habitude hein, de poser les questions. Là, une question avant d'en poser aussi à Samuel et à Jean-Bernard. Cette classe ultime par rapport aux autres bateaux, par rapport aux autres courses, par rapport aux autres classes. Comment vous la voyez et comment vous voyez un petit peu la réception des lecteurs de chez Voile et Voilier ?
C'est une classe complètement, j'allais dire, hallucinante, parce que c'est... j'en parlais tout à l'heure avec Jean-Bernard, il y a quelque chose qui m'avait impressionné à l'arrivée du Tour du Monde de François Gabart. Déjà, c'est quand on monte sur ces bateaux, qu'on a fait un peu de voile et qu'on est dans ce milieu-là, qu'on monte sur ces bateaux au port, c'est juste impressionnant. Et je me rappelle que sur le siège baquet du bateau, on avait l'impression qu'il y avait des chats qui s'étaient fait les griffes. Et il était complètement, le siège était bouffé. Et François nous avait dit, il faut régulièrement se tenir. Et alors, rien que ça, ça montre un peu les efforts surhumains de ces machines-là. Et pour nous qui sommes des privilégiés, parce que les journalistes, on a la chance de pouvoir naviguer sur tous ces types de bateaux, hein, que ce soit des mini-transats que j'aperçois ici, des Figaro, des bateaux du Vendée Globe. Avoir la chance de naviguer sur ces ultimes, c'est juste extraordinaire. Mais encore une fois, moi, je suis toujours... franchement, je ne sais pas comment ils font. Surtout en solo, quoi. Franchement, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? C'est la hauteur, c'est la vitesse, c'est les bruits, c'est le package total? Mais, paradoxalement, quand on navigue en invité, les mecs maîtrisent tellement le sujet que c'est finalement assez sympa. C'est même très sympa. Moi, je crois que ce qui m'impressionne le plus, c'est la taille des winches, c'est la taille, les surfaces de voile, c'est la taille des boots, des cordages. Et quand on a fait un peu de voile, notamment sur des bateaux de 30-35 pieds, hein, donc 9 à 10 mètres, quand on monte sur ces bateaux de plus de 30 mètres, on se demande encore une fois comment on peut faire, quoi. Comment on peut arriver à maîtriser ces engins et pour pas se faire dépasser. Et je pense que ça va être le plus gros stress de ces marins, c'est de pas se faire, c'est d'anticiper pour pas se faire dépasser par la machine, quoi. Il y aura une séquence justement sur le risque et la performance. On vous l'avait dit, priorité aussi à l'action. Derrière Yves et Samuel, un autre temps fort de cet après-midi avec le mât qui est en train de s'élever au-dessus de la base Lorient. Pareil, hein, ça c'est un superbe moment pour cet après-midi, Yves. Voilà, parce qu'un bateau à voile sans mât, ouais. ça passait pas dans le hangar là. Ça passe pas, donc on peut. On voit le mât qui est en train de passer de la situation horizontale à verticale et qui va aller ensuite se poser sur la coque centrale, sur sa boule. Et ensuite, on va voir le balai de l'équipe pour accrocher les haubans, pour faire en sorte que le mât passe de suspendu à la grue à solidaire du bateau. C'est une opération importante et toujours un peu délicate, mais là, on a une équipe... parfaitement rodé à l'exercice. Didier, Jean-Bernard, sur la question des défis, est-ce que vous aviez des questions à poser là sur ce direct à Yves et Samuel? Moi, j'ai une question à Yves, mais je ne sais pas s'il va vouloir me répondre. Est-ce qu'il a déjà son co-skipper pour la transat Jacques Vabre? C'est pas la première fois qu'on te la pose aujourd'hui. Yves. Non, alors j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées, mais y a des discussions, hein, y a des discussions en cours. Moi, sur ce bateau-là, y a un petit espace, pas inconnu, mais que j'ai envie de bien connaître, de mieux connaître. C'est le niveau de complémentarité dont je vais avoir besoin, ou dont je vais ressentir le besoin pour la Transat Jacques Vabre. Savoir si ça va être plutôt un aspect... vraiment très performance parce que je me sens très à l'aise avec la technique et avec le vol dont parlait François, ou justement quelque chose d'un peu plus complémentaire en technique et en apprentissage. Pour l'instant, j'ai une petite idée, mais comme j'ai pas beaucoup navigué sur le bateau, ça me paraît très présomptueux de faire mon choix avant d'avoir navigué plusieurs jours, plusieurs sorties dans plusieurs conditions avec le bateau où je me sentirais beaucoup plus clair là-dessus. Mais il y a des discussions. Vous aviez une proposition pas. Peut-être, Didier? J'ai tenté le coup. Non, je suis pas assez costaud. J'ai tenté le coup. Non, mais j'imagine que t'es surtout trop grand. Tu reçois quelques CV. Il y a des candidats. Ouais, t'es surtout trop grand, Didier. T'es trop grand. Alors en plus, je suis trop grand, ouais. Il paraît. Ouais. Alors je te confirme. En fait, c'est plutôt ça. Je te confirme que j'ai rarement reçu autant de beaux CV. Ça, c'est sûr. Que des bons CV. Jean-Bernard, aussi un petit mot pour conclure cette séquence ou une question à Samuel, ouais. Ou à Yves? Oui, bah Yves, est dans la même logique, tu penses commencer quand à naviguer en solo sur ce bateau? Alors,
En solo, c'est pas forcément l'objectif de la saison. Sinon, je me prévois le retour de Martinique à l'issue de la Transat Jacques Vabre, qui est en fait un objectif de passer du temps en solitaire à bord, en mettant de côté, si on peut le faire, autant qu'on puisse le faire, mais sans objectif de perf, mais simplement de dire voilà, je vais passer 10 jours en solo à bord pour après avoir fait une Jacques Vabre, où là ce sera une logique de perf en double, de me remettre en mode plus tranquille, avec tous les guillemets qu'on peut mettre, en solitaire, pour vraiment aborder la saison 2022 avec cette expérience de performance en double et de navigation solitaire. Je pense que c'est une façon de progresser graduellement. En tout cas, c'est le programme. Super, je te souhaite le meilleur. Et Samuel, tu es dans la classe ultime pour combien d'années? Pour longtemps. Je pense que on voit à peu près clair là sur 2021, 2022, et puis on s'est fixé des objectifs pour 2023, puisqu'on prépare un tour du monde au solitaire. Donc on voit clair jusqu'à 2023. Après, on verra le programme. Mais c'est bien de voir clair jusqu'à 2023. Merci beaucoup Jean-Bernard, merci beaucoup Didier. Je vais vous inviter à quitter le plateau. Idem pour vous dans quelques secondes. Je rappelle sur Facebook, c'est un live, vous avez vu, ils n'ont pas encore choisi le co-skipper. Donc là, sur les réseaux sociaux, c'est le moment d'envoyer vos coordonnées. Je peux donner le numéro de téléphone de Yves Leblévesque, c'est le 0... ou l'email de Samuel. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Bernard et Didier. Une dernière question avant de monter justement sur l'ultime. Les trois dates, on peut annoncer les trois dates, de toute façon, Yves et Samuel. Transat Jacques Vabre 2021, Route du Rhum 2022 et le Tour du Monde en solitaire en 2023. Là, ça y est, c'est lancé au niveau des objectifs. C'est lancé et c'est une progression. À la limite, on voudrait faire un programme. C'est idéal. C'est-à-dire qu'on a une année en double, une année en solo sur une Transat et en préparation d'un tour du monde en solo à suivre. Donc on est dans un schéma de progression idéal. Pareil, au niveau de ces trois grands rendez-vous, Samuel, on est prêt, on y va pour la gagne? Oui, exactement. On a un projet gagnant, donc on y va pour la gagne. Eh ben merci beaucoup, merci à tous les quatre. Avec à tout à l'heure, donc Didier et Jean-Bernard, vous avez quitté. Et j'ai aussi un dernier point, il y avait tous les soutiens. Il y a eu les skippers. On a vu, je ne pourrais pas tous les citer, parce qu'ils sont plus d'une quinzaine, une vingtaine, à avoir fait la surprise des petits magnétos sur Coucou. Ils étaient sur leurs ultimes, ils étaient sur leur Imoca, ils étaient à la montagne. On parle de il y avait Yannick Bestaven, il y avait Loïc Perron, il y avait Samantha Davis, il y avait Clarisse Kremer, Antoine Albo. Enfin, je ne peux pas tous les citer. Ça te fait plaisir, tout ce soutien? Ça fait plus que plaisir, parce que tout ça, tous les gens, toutes celles et ceux qui m'ont témoigné leur sympathie, c'est des gens que j'admire énormément. Chacun pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il va faire. C'est des gens fort sympathiques d'avoir ce témoignage-là, d'avoir c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Alors de façon collective, j'ai envie de dire un grand merci, parce que moi je suis vraiment touché par cette attention. Ouais. À chacun, chacune, vous êtes les bienvenus à bord d'Actual. Vous avez réussi à fédérer tout le monde. Tout le monde sauf, il y avait un magnéto qui ne nous est pas parvenu. C'est celui du team Edmond Rothschild. Et pourtant, ce sont vos voisins. Et en fait, c'était la surprise. Ils nous ont dit non, 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 pas de magnéto. Nous, on veut du direct. On veut vous le dire. Vous êtes nos voisins. Donc, les voici. C'est la surprise avec Cyril Dardashti, directeur général de Gitana, et les skippers du Maxi Edmond Rothschild, Franck Camas et Charles Caudrelier. Bonjour, messieurs. Donc, Samuel, vous merci. N'étiez pas au bonjour, courant. Bonjour, bonjour. OK, donc c'est bien mieux qu'une vidéo. Exactement. Nous, on préférait la présence physique que de faire une vidéo. En tout cas, en tant que voisin, ça nous semblait normal de faire acte de présence, et au-delà de ça, de vous encourager, en tout cas pour tout ce que vous êtes en train de faire. Et cette mise à l'eau est vraiment formidable. Et encore une fois, moi, je trouvais que ce que vous faisiez aujourd'hui, même si nous, on a une histoire de 140 ans, je crois qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'écrire aussi une page de la voile, puisque si je comprends bien, ça fait déjà 20 ans que vous naviguez ensemble. Donc vraiment
un grand bravo. Parce que Cyril, vous, vous dirigez donc le Gitana Team qui représente l'engagement de la famille avec Ariane et Benjamin de Rothschild. Vous avez dit 140 ans, c'est voilà, 20 ans. Ce moment-là, pour une team, comme Yves, comme un investissement au niveau d'un groupe, c'est historique. C'est, on le disait, là, il n'y a pas de public, mais c'est hyper important. Oui, je crois que s'inscrire dans la durée, en tout cas sur ce genre de projet, c'est très important. Et je crois que Samuel et Yves et toute son équipe doivent mesurer finalement toute cette chance et sans doute grâce au groupe actuel et Samuel de pouvoir justement vivre tout ça. Et je crois qu'ils sont montés crescendo puisqu'il y avait le mini, puis après le 50 pieds et puis ensuite... Ouais. Il y a eu le maxi et puis maintenant le maxi volant. Je crois que c'est une grosse montée en puissance et vraiment, je leur souhaite le meilleur pour la suite. Et pour cette puissance, le mât qui vient juste là, à chaque fois priorité à l'action, hein, c'est ce mât qui est en train d'être assemblé. Yves, pareil, hein, ça c'est un des moments forts de cet après-midi. Ah bah c'est important, c'est important et c'est toujours... c'est très, c'est délicat. Il faut imaginer que le mât, il repose sur une rotule de la taille d'un melon. Donc c'est du travail de précision. Alors qu'on a des machines énormes. Et là c'est un vrai travail d'équipe parce que il faut qu'à ce moment-là, et j'espère que ça va se passer comme ça. Hein, il faut que tout rentre dans que tout s'assemble parce que on avait le mât dans un hangar, le bateau dans un autre, les axes dans un autre, dans une autre boîte, et qu'il faut être certain que tout va s'assembler du premier coup parce que la grue va pas rester indéfiniment comme ça. Donc c'est là où on voit le résultat du travail de la totalité de l'équipe. Top. Samuel, vous vouliez rajouter un mot ? Oui, je voulais remercier le team Gitana de sa présence parmi nous aujourd'hui. Je suis très honoré de leur présence parce qu'effectivement, le Gitana est un exemple, a beaucoup fait pour la course au large depuis très longtemps, 140 ans. C'est juste incroyable. Et donc pour nous, c'est aussi un modèle. Donc on essaie à notre façon de construire effectivement un projet, d'avancer étape après étape. Mais c'est très important et stimulant globalement pour tout le monde d'avoir des teams d'excellence et de référence auxquels on peut essayer de se raccrocher et de copier. Donc merci, on est très honorés. Ouais, enfin, on va quand même essayer d'arriver devant. Bah, oui, évidemment, Yves. Franck Charles, justement, peut-être pour avoir des conseils. Gitana était la première équipe à se lancer dans cette ère des maxi trimarans volants. C'était en 2017 avec le maxi Edmond de Rothschild. Est-ce que vous avez des conseils pour Yves et le skipper qui va l'accompagner ? Quels sont les deux conseils ? Alors attention, je sais qu'on est dans la compétition. C'est qu'on ne va pas les donner maintenant, mais on va venir avec lui à bord et on va lui donner plein de conseils. Tu nous invites et on va te montrer plein de choses. Non, c'est juste plaisant de voir ce bateau contre qui on s'est battu les premières années où on est arrivé, Franck et moi, sur le bateau. Il nous a donné beaucoup de fil à retordre. C'est un bateau très rapide, très abouti. Et c'est vrai que de voir Yves avec un bateau qui a un potentiel beaucoup plus fort que le bateau qu'il avait avant, c'est stimulant pour nous. La concurrence, ça nous stimule et on est ravis de voir. Il est magnifique et on a hâte de tirer des bords l'un contre l'autre. Et pour les conseils, on viendra à bord s'il nous invite. Aucun conseil. Franck, quelques conseils alors pour cette nouvelle génération de bateaux pour Yves ? Moi, je pense qu'il va avoir beaucoup de plaisir, des sensations vraiment nouvelles à partir du moment où ça va voler. C'est vrai que c'est une autre façon de naviguer. Il faut peut-être oublier les anciens réflexes. C'est ça qui est sympa, c'est qu'il y a plein de choses à réapprendre, mais on réapprend à chaque fois qu'on va naviguer. Donc, avec ces bateaux qui sont très complexes, c'est vraiment magique, quoi. Donc, fais-toi plaisir. Et puis, on va surtout se faire plaisir, effectivement, en naviguant les uns contre les autres. Donc, plus la concurrence est étoffée, plus le plaisir est grand. Voilà. Super, merci beaucoup. Moi, j'adore les mises à jour, en fait. Donc, ça tombe bien. J'aime bien quand ça change et qu'il y a des nouvelles règles à apprendre. Et puis, je suis flatté que vous ayez envie de venir voir le bateau. Alors, pour l'invitation, on va attendre un peu, mais je suis vraiment très flatté. Il faut qu'on t'invite aussi en retour. Ok, ça marche. Il faut inviter aussi les personnes qui nous suivent sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc, ça commence à faire beaucoup de monde. Merci beaucoup, Cyril, Franck et Charles, pour cette surprise. Merci. Samuel et Yves, je pense que le moment est venu de rejoindre
Actual. Nous, on a encore trois séquences ici sur le plateau. Et vous allez rejoindre l'équipe. Hein, t'es le team manager, Yves. Absolument. Bah, merci beaucoup, Christophe. À tout de suite. Donc, prochain, la sans transition des défis plein les voiles. C'était cette séquence-là. Nous avons trois séquences, amis, sur Facebook et YouTube, les dessous techniques, les coulisses de la course et le goût du risque, dessous techniques. Avec, on va commencer par qui ? Évidemment, avec Sandrine Berthaud, qui est... je vous souhaite la bienvenue, je te souhaite la bienvenue, directrice administrative et logistique, mais pour dire que tu es le bras droit d'Yves, le bras droit, le bras gauche, le cerveau, enfin tout, la raison, la main de velours dans un... Enfin bon, tu es Sandrine. Ronan, directeur technique, désolé. Ça va ? Grosse journée. Belle journée. Belle journée. Sandrine, belle journée aussi. Magnifique journée. Et nous avons un local de l'Armor Plage, pile Pierre-Yves Lautrou, skipper et journaliste. J'ai repris dans Voile les voiliers, un jour voileux, un jour journaleux. Voilà, j'ai un peu pris ma retraite de la voile quand même, faut être honnête. Ouais. Mais Mister Tippenshaft. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu restes dans le milieu. Bienvenue à toi, grand jour hein, pour tout le monde. Sandrine, projet donc, qui a réussi à aboutir, et là, hein, on est sur la conclusion de ce chantier, et on ne le dira jamais assez, Sandrine, c'est un chantier. Un chantier reste un chantier. Ce matin, il y avait des petits couacs, ça, voilà, il fallait que mettre un petit peu d'huile, c'est sorti. Il y a une super team. Ce qui m'a marqué, c'est que cette super team, je l'avais déjà rencontrée à l'ancienne mise à l'eau, et j'ai l'impression que vous suivez déjà avec les mêmes personnes. Vous avez réussi à embarquer, à garder toutes ces mêmes personnes, ces mêmes passionnés ? Mais en fait, tu aurais pu rencontrer Ronan en 2009 sur le Multi 50. Et après, on a cessé d'étoffer l'équipe de projet en projet. Et en fait, depuis 2015, on est très stable. Et on étoffe un petit peu l'équipe au fur et à mesure des changements de bateaux et des bateaux qui deviennent de plus en plus performants. Donc oui, on a une équipe très stable. Chacun a son rôle. Tout est dans le détail. Le diable est dans le détail. Quand on voit cette ultime, on se dit ouais, « tout est énorme ». Mais il y a plein de petits détails et les gens ont plein de choses à penser. Il faut que tout soit fait excellemment. Ouais, on a énormément de petits détails techniques sur le bateau. Et il faut que chacun, dans son geste, soit convaincu qu'il est indispensable à la réussite du projet. Donc effectivement, on attache énormément d'importance à ce que tous les techniciens, les ingénieurs, logisticiens soient vraiment très convaincus de leur utilité dans le projet. On t'a vu, on vous a vu hein, sur l'ultime. Est-ce que sur le team actuel, tout le monde, ce sont des passionnés de voile on sait que leur métier est passionnant, mais est-ce qu'ils sont tous passionnés de voile ? Oui, on peut dire ça. Tout le monde est passionné de voile. Il y a beaucoup de navigants, beaucoup de personnes qui ont fait de la course au large. Et si certains d'entre eux intègrent le projet et ne sont pas navigants, ils vont devenir navigants parce qu'on va les faire naviguer sur le bateau. J'ai croisé tout à l'heure hein, dans les hangars des gens qui me paraissaient très, très jeunes. Vous avez aussi des jeunes dans cette équipe ? Mais oui, il faut qu'on forme nos remplaçants parce que c'est des métiers... assez particuliers qui s'apprennent sur le tas avec l'expérience. Et si on n'accueille pas des jeunes talents au sein de l'équipe, on va avoir du mal à faire fonctionner nos projets. Donc actuellement, nous avons deux jeunes gens alternants, une jeune ingénieure qui complète sa formation par 2 ans avec l'Université de Bretagne Sud et un jeune technicien qui fait une formation de 2 ans aussi à l'Institut Nautique de Bretagne. Eh ben c'est top de les embarquer comme ça, hein, des jeunes comme Pile, des jeunes comme Ronan. 18 ans, 19 ans, j'ai vu. Hein, c'est, voilà. Bah, Armel, comme moi, 19 comme ans et ouais. Mathilde, 23 ans. Jeune surfeur, déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandrine. Je ne sais pas si... j'ai plus de micro. C'est moi. Ce sont les aléas du direct. Merci beaucoup à toute la team technique. Avec tout le contexte sanitaire, c'est très compliqué, mais c'est assuré. Et en tout cas, on est en confiance. Ronan, dernière question, Sandrine. De le voir comme ça toucher l'eau, j'ai oublié de te dire. Voilà, à chaque fois, Yves dit « Ah, à chaque fois, c'est le plus beau. À chaque fois, c'est le plus beau. » Pareil pour toi, Sandrine. C'est un peu comme un enfant quand même. Hein. À chaque fois, c'est le plus beau. C'est sûr. C'est magnifique. Ça commence à faire beaucoup de bateaux, là. Ça fait combien de bateaux ? C'était le sixième, on a compté tout à l'heure. Sixième. Ouais. Sixième bateau. Sixième bateau actuel, ouais. Et toujours plus beau. Super. Ronan, pour que ce soit beau, pour que ce soit efficace, derrière, il y a plein de métiers. Raconte-nous un petit peu, là, quels sont les métiers qui sont impliqués, justement, là, on est au dénouement, mais tout ce qui s'est passé avant, le jour où vous l'avez récupéré.
Nous, on s'est attaché à déjà à le mettre à nos couleurs, aux couleurs de Actual. Donc, il y a eu une belle équipe de peintres qui était de la sous-traitance. C'est Atelier d'Olivier qui a géré ça pour nous. Puisque l'idée, c'est de faire des belles peintures, mais surtout d'enlever l'ancienne. Donc, ça a pris beaucoup de temps déjà de faire ça. Et puis, on s'est approprié le bateau en démontant tout pour pouvoir tout remonter ensuite. Donc là, il y a aussi bien le domaine de l'accastillage, mécanique, électronique, électricité, puissance, matelotage. Tous ces métiers-là, on les a par contre au sein de l'équipe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si on n'a pas encore le manuel d'utilisation en mer, au moins on sait monter et démonter tout ce qui est dans le bateau. Et on est prêt à affronter les aléas techniques qui vont nous arriver dessus, comme dans toute vie de bateau. Sur les grandes nouveautés, on peut parler des grandes nouveautés, les safrans, les foils. Je suis sûr que Pierre-Yves, il sait tout parce qu'il est tout ce qui est technicité, performance. Pierre-Yves, il connaît. Mais est-ce qu'on a le droit d'en parler un petit peu? Ouais, nous, on a rien à cacher. On prend le bateau avec son potentiel. La seule évolution qu'on va faire, c'est de changer de safran de coque centrale. Donc ça, on a fait un chantier pour pouvoir le recevoir courant d'été. Il est en cours de fabrication et une des nouveautés, c'est qu'on intègre encore un nouveau dispositif en tête de mât pour essayer de détecter des ovnis, quand même un sujet qui occupe tout le monde de la course au large en ce moment. On a initié une démarche collaborative avec un peu tout le monde, que ce soit la classe IMOCA, les autres bateaux ultimes, où on a dit, voilà ce qu'on va faire. On partagera les résultats de cette expérience, donc c'est deux nouveaux capteurs qu'on va installer en tête de mât. L'idée étant de, en tout cas nous on ouvre la porte et qu'on partage les résultats pour que derrière il y ait une création de solution à ce problème qui concerne tout le monde. Merci beaucoup Ronan, merci beaucoup Sandrine. Pierre-Yves, qui suit donc tout ce qui se passe au niveau de la voile, de ces bateaux, de ces ultimes, quel est ton regard toi en tant qu'observateur extérieur sur ces ultimes, sur cette technicité, sur la quête de la performance? Écoute, sans faire de cocorico, je pense qu'au large, aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux en termes de niveau technique, de vitesse et de compétences. Hein. C'est les plus grands bateaux, les plus rapides, c'est des bateaux qui volent. Donc, il n'y a pas beaucoup d'autres nations dans le monde qui savent faire des bateaux comme ça. Donc, c'est une spécialité à date encore franco-française, mais on est vraiment dans un domaine de l'excellence très, 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 très haut de gamme. Ça, c'est la première chose. Je dirais que la deuxième chose, pour avoir... connu Yves quand on a fait la mini ensemble il y a 20 ans maintenant, voilà, on peut dire que c'était il y a 20 ans, donc on était jeunes, plein d'entrain. Tout le monde là, vous avez tous fait de la mini là. C'est pas les mêmes promos, ils sont un peu plus jeunes. J'ai fait la mini avec Yves en 2001 et donc du coup c'est plutôt sympa de voir grandir les projets petit à petit. Et c'est beau de voir la fidélité d'un sponsor aussi, hein. C'est un peu bateau de le souligner, mais voilà, quand une entreprise et un marin signent des contrats 20 ans et qu'ils sont reconduits, c'est quand même des belles histoires. Et puis je leur dirais, pour leur mettre un petit coup de pression, qu'ils ont la pression, parce que cette fois, ils n'ont plus le prétexte d'avoir un bateau un peu moins rapide que les autres, un peu plus costaud, ils n'ont plus le prétexte de partir pour l'aventure, ils ont une très très belle plateforme qui potentiellement peut en plus évoluer, qui je pense évoluera, je pense que c'est ce qui les excite aussi. Donc ils changent un petit peu de... Sandrine disait tout à l'heure qu'ils ont grandi progressivement, qu'ils ont intégré des gens petit à petit, mais là ils changent un petit peu de catégorie quand même. Et je pense que c'est à la fois... de la pression, mais aussi, je pense que c'est pas mal de motivation. Enfin, je les connais bien tous les deux, je pense que c'est beaucoup de motivation. Merci beaucoup, c'est bien. Sandrine Ronan, je pense que vous pouvez retrouver l'équipe et partager ces mots de Pierre-Yves Letrou qui met la pression à tout le team actuel. Donc à tout à l'heure, on va se retrouver sur le bateau. Pierre-Yves, tu restes avec nous puisque nous allons attaquer cette séquence sur les coulisses des courses avec un organisateur de course, c'est la course Brest-Atlantique, c'est Emmanuel Bachelery qui va venir nous rejoindre. Nous sommes sur l'avant-dernière séquence sur ce live. Ah oui. Le meilleur pour la fin. Attention, on désinfecte. Voilà. Vous connaissez déjà Pierre-Yves, Emmanuel? Vous vous appréciez ou pas? Très bien. J'ai toutes les infos. J'ai son numéro de sécurité sociale même. Donc, Emmanuel... bienvenue, temps fort pour la classe ultime et je pense que c'est une excellente nouvelle pour les organisateurs de course d'avoir ce bateau là dans le game, comme ils disent. C'est toujours une bonne nouvelle. C'est toujours une bonne nouvelle d'avoir un bateau qui retrouve des couleurs. Donc celui-là, il est magnifique. Là, je ne sais pas s'il le voit à l'antenne, mais il est sublime. Il a des couleurs, il a une déco. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre, mais
Pierre-Yves, c'est... Oui, oh. Si, très bien. Hein. Donc, c'est toujours une bonne nouvelle d'avoir un bateau qui est armé, parce que si on n'a pas d'armateur qui arme des bateaux, il n'y a pas de bateau. S'il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de course. Donc, c'est toujours une bonne nouvelle. Sur ces technologies, est-ce qu'on est sur une course sans fin? Vous les connaissez bien, la classe ultime, et sur les événements. Est-ce qu'on est arrivé là à la limite de la technologie? Est-ce que sur les événements, on reste accessible et compréhensible pour le côté populaire? Deux questions. Alors, je crois qu'on n'a pas 2 heures, mais il faudrait 2 heures. En gros, le sport, c'est de la compétition, c'est de la technologie, et la technologie, ça permet de gagner. Donc, quand on sort de cette quadrature-là, on ne fait plus de sport. Après, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas que la course à l'armement évacue progressivement des sponsors qui ne pourraient pas rejoindre ces projets. Donc c'est une question, comme toujours, d'équilibre. Il n'y a pas une réponse noire ou blanche, c'est pas tout techno ou naviguer avec des voiles en coton. Mais il faut faire avec la technologie parce qu'elle avance. Aujourd'hui, les bateaux ont un degré de performance qui est exceptionnel, ce qui fait aussi partie de leur charme. Et ça fait partie aussi de l'intérêt que le public voit dans ces bateaux-là. Donc il faut pas être anti-techno et il faut faire attention au coût. Voilà, c'est une question d'équilibre comme assez souvent d'ailleurs. On aura dans quelques minutes Jacques Arès qui va venir sur la partie gestion du risque. En tant qu'organisateur, est-ce que ce sont des challenges encore plus gros, plus ambitieux que d'organiser des courses pour les ultimes? On se rappelle évidemment Brest Atlantique. On parie gros. Le mot de pari est un peu à la mode, je crois, en ce moment. Je crois qu'il y a un chef de l'État qui semblerait avoir fait un pari. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il ait fait un pari. Ici, c'est Lorient, Emmanuel. Ça, c'est un autre sujet. Mais je ne pense pas que ce soit un pari. Ces bateaux sont exigeants. Ils sont d'abord exigeants pour les marins qui les skippent, qu'ils soient en solitaire ou en équipage. C'est des machines très éprouvées qui ont encore une fois un degré de performance très élevé. Donc, ça hausse le niveau de jeu pour les marins d'abord à terre. En mer, pardon. Après, pour ceux qui sont à terre et les organisateurs, dont je peux faire partie, le degré d'exigence est le même à terre. Mais quand on organise une course en IMOCA ou en Figaro, je l'imagine en tout cas, parce que moi, je ne me suis occupé que des ultimes, on envoie des marins naviguer sur l'eau. Par essence, ça peut être dangereux. Donc, il faut mettre les conditions de sécurité qui permettent que les marins partent dans les conditions maximales de sécurité. Elles ne seront jamais garanties à 100%. Aucun organisateur ni aucun directeur de course ne pourra expliquer qu'il y a zéro risque. Il y en a, c'est un sport mécanique, donc il y en a. Après, qu'on organise un événement en Figaro ou en Ultime ou en Mini 650 ou en IMOCA ou en Ocean 50 ou en Classe 40, on envoie des marins sur l'eau. Donc, par essence, il faut faire attention. Un mot, tous les deux, pour Yves Leblevec, pour le team actuel. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Parce que là, on est sur la fin de ce live. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, que ce soit en tant qu'organisateur, copain, journaliste, Into the Wind? Il était venu à Into the Wind. Je me demande si ce n'était pas le deuxième. C'est le deuxième, exactement. Ouais, très bien. Honneur à vous, camarades. Éclatez-vous. Éclatez-vous, carrément. Bon, tu mets la pression. Non. Alors, pour le coup, il n'y a pas de pression. Là, c'est prenez du plaisir. Je pense que c'est des bateaux... La question d'avant était intéressante. Je pense que l'enjeu du plafonnement des budgets, il existe comme dans tous les circuits de bateaux aujourd'hui. Mais on est dans la classe ultime. Ouais. Ultime, ça ne veut pas dire, classe moyenne, quoi. Donc, avec tout le respect que j'ai pour les classes moyennes. Mais du coup, on est dans un endroit où... Techniquement, technologiquement, en termes de recherche, de développement, on est dans une classe qui drive une bonne partie de l'industrie de la course au large. Donc du coup, il n'y a plus qu'à s'éclater, quoi. Du fun. Emmanuel, quelques mots donc à Yves. Ce qui est vachement intéressant avec le projet d'Actual, c'est quand on regarde leur progression sur 20 ans. Et là, ce que je trouve très séduisant pour eux, c'est qu'ils ont une machine qui va leur permettre d'aller jouer les premiers rôles. Et quand on regarde encore une fois leur courbe de progression depuis 20 ans, ils y sont allés raisonnablement, progressivement. Et aujourd'hui, ils ont un bateau qui leur permet d'aller tutoyer à minima les podiums. Donc allez-y, fonce-y, et rendez-vous de l'autre côté. C'est cool. Merci beaucoup, Yves Leblevec. C'est le prochain Thomas Pesquet, hein, The Sky is the Limit. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Merci beaucoup. Merci. On va inviter justement sur la gestion du risque avec un personnage clé. Alors Yves est là, évidemment, Yves Leblevec qui revient. Et Jacques Arès, directeur des plus belles courses, hein, vous l'avez vu, hein, sur Brest Atlantique en 2019.
toutes les conditions étaient au top hein, à Brest, je me rappelle, hein, y avait un petit peu de vent, voilà, propre au Finistère. Et sur le Vendée Globe, est-ce que tu as récupéré, Jacques, de cette intensité sur le Vendée Globe? Est-ce qu'on est cool avec Laurence? Oui, j'ai bien récupéré toute mon équipe, hein, parce qu'une direction de course, ce n'est pas qu'un personnage, c'est toute une équipe pour faire du 24-24, 7 jours sur 7. Merci d'être avec nous, ça nous fait vraiment très plaisir, Jacques. Je pense que vous connaissez très très bien Yves et Jacques. Ouais, on a fait un tour du monde ensemble. C'était quand? En 2005, 50 jours. C'était long à l'époque. Ouais, ça s'est bien passé, vous êtes restés amis après? Complètement, ouais. On ne volait pas à l'époque. Maintenant, on va voler, donc c'est autre chose. C'est vrai, maintenant ça vole. Sur cette dernière séquence, et après, donc conclusion, hein, tout le monde va monter, enfin le team actuel avec Samuel, et on va vous embarquer, vous, sur Facebook et sur YouTube, sur cette ultime. Question donc sur la gestion du risque. Directeur de course et ses responsabilités intimement liées avec la responsabilité des skippers. Comment on met le curseur? Là, on entend souvent cette expression, on met le curseur entre la performance, entre ce qui est raisonnable, ce qui ne l'est pas, quand on est dans une classe ultime, Jacques. De ce que j'ai pu connaître, puisque c'est vrai que la Brest Atlantique a été la première course, ou en tout cas la dernière course que ces bateaux ont fait en double, en équipage. Donc j'ai eu l'avantage de la suivre en direction de course. C'est vrai que dans la performance ou dans la compétition, y a toujours une prise de risque. Après, il faut que ça soit contrôlé et si possible, ça soit bien managé. Après, je pense que ces bateaux-là ont un gros avantage, c'est que par la vitesse, on peut esquiver les systèmes météo d'une meilleure façon que dans d'autres séries. C'est vrai que la vitesse aide à l'esquive. Donc, la vitesse n'est pas forcément qu'un paramètre de négation et de risque, c'est aussi un paramètre positif, puisque ça permet de prendre des orientations, des choix stratégiques météo qui sont parfois plus faciles à esquiver quand on va vite que quand on doit subir. On parlait de responsabilité, on parle de partage, on parle, et ça a été un maître mot depuis le début de cette émission, ça a commencé entre toi et Samuel, de confiance, le mot confiance. Il y a une véritable confiance entre toi, le skipper, entre Jacques Carès ou un autre directeur de course? Forcément, alors c'est aussi l'avantage qu'on peut avoir en classe ultime, c'est le fait aussi de ne pas être si nombreux que ça. La relation avec la direction de course, elle est directe. Et pour exemple, hein, de la dernière Brest-Atlantique, où les conditions météo au départ étaient, pouvaient paraître impressionnantes. Elles étaient impressionnantes, elles pouvaient paraître dangereuses. Mais le choix, il a été fait à la fin par la direction de course, mais avec l'accord de chacun. En tout cas, une position commune et... en disant voilà, on considère que nos bateaux sont capables de naviguer dans ces conditions-là. La seule réserve qu'on puisse mettre, c'est que on n'est pas sûr de pouvoir les mener à 100% de leur potentiel. D'ailleurs, ce serait préférable dans les conditions qu'il y a de ne pas aller à 100% du potentiel de vitesse du bateau. Tu peux nous rappeler d'ailleurs à celles et ceux qui nous le potentiel, la vitesse, les vitesses que peuvent atteindre. Typiquement, le départ de la Brest Atlantique, il y avait 30 nœuds de vent, à peu près, ce qui est du vent fort, mais ce n'est pas de tempête non plus. Mais il y avait surtout des vagues, un train de houle assez formé. Et autant le vent était grosso modo de travers, ce qui permet d'aller... C'est par vent de travers qu'on va le plus vite avec ces bateaux-là. Et par contre, la houle était plus de face que le vent. Ce qui fait que si on allait à la vitesse que nous permettait... le bateau, on était sûr de... Enfin, sûr, il y avait un gros risque de démolir le bateau à la troisième vague parce que ça allait trop vite par rapport à la taille des vagues. Et comme si on essayait d'aller vite sur des tremplins, ça marche pas. Et là, les skippers, en gestion de projet, ont remonté l'information. Voilà. Voilà, c'est de la communication. Exactement. Et qu'à partir du moment où on pouvait y aller, mais à chacun de maîtriser la vitesse de ses bateaux et que Jacques avait la conviction que chacun était prêt à maîtriser la vitesse des bateaux, ça pouvait y aller. Ça a du coup fait des images magnifiques au départ. Ouais, je pense que t'en gardes toujours un très bon souvenir de ce départ, Jacques, ou c'est du stress et tu te rappelles que... Non, c'est pas du stress, c'est au contraire, c'était des images magnifiques. C'est vrai qu'on a affaire à des équipes professionnelles, hein, très professionnelles même. Donc l'engagement, comme le vient de le dire Yves, c'est un discours commun, c'est de l'interrogation. C'est vrai qu'on peut se poser des questions.
Mais à partir de qu'il y ait ce vrai dialogue maritime entre la direction de course et les coureurs, en général, les décisions sont bien prises. Et je crois que les images que l'on a vécues à la dernière Brest Atlantique étaient merveilleuses et elles resteront forcément ancrées longtemps dans cette course et dans la suite de l'évolution de ces projets-là. Direction de course, oui, mais avec de plus en plus de bateaux à foil, de bateaux qui volent. Ça change un petit peu pour toi. Tu te dis, waouh, je commence à être Archimède, on oublie Archimède. C'est pareil, que ce soit le Vendée Globe ou que ce soit les ultimes qui volent. Comment t'appréhendes, comment t'attends Bah, c'est ça qui est intéressant. Hein. C'est une technologie de pointe. Faire voler les bateaux, on y vient tout doucement. Ceux-ci volent beaucoup, vont voler longtemps, plusieurs jours. En même temps, le fait de voler, il y a moins d'impact aussi pour les équipiers. Ils sont moins exposés, ils sont plus hauts. Ils ont un garde de hauteur qui est beaucoup supérieur à la moyenne. Les anciens bateaux étaient presque peut-être plus dangereux par moment. Après, c'est le latéral. Il faut, bah, effectivement, c'est un sport mécanique qu'il faut bien doser. Il faut, effectivement, c'est les marins qui en parleront mieux que moi. Mais c'est vrai que ça reste quand même très investi et très engagé comme course. Mais la technologie fait aussi que ces bateaux sont de plus en plus sécurisants. Et je pense que ça va dans le bon sens. Les plateformes naviguent bien. Et attention, forcément, on peut faire forcément des écarts de route. Ça fait partie du risque. Mais la performance et la compétition, le risque est intégré. Ce sont, cher Jacques, des mots très sages. Tu ne me déçois pas du tout, Jacques. Et ce sont des mots qui sont très rassurants parce qu'on parle de performance, mais de sécurité. Dans quelques instants, quelques secondes, tu vois, le team est là. Yves va rejoindre en bateau de sécu. Quel est ton message à toute cette team, toi qui es sécurisant, et toi, voilà, qui... Où tout le monde a confiance en toi. Oui, et puis moi, ce que je vois, que c'est cette team-là, c'est une team qui n'est pas née depuis hier. Elle est montée en puissance avec Yves, avec les différents bateaux qu'il a eu entre ses mains. Et je crois que, justement, c'est la maturité pour monter sur ces bateaux-là. Yves est un bon capitaine, il a une bonne équipe autour de lui. Et je pense que ce projet-là va être un projet merveilleux et qu'on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Pourquoi, Yves, tu n'as pas choisi... comme co-skipper Jacques Caresse, voilà. Est-ce que tu as balancé ton CV ou pas, Jacques ? Non, moi, je préfère regarder là. Maintenant, je suis un petit peu dépassé par cette technologie-là. Par contre, je suis très impressionné par ce qu'ils font. Et en tout cas, je sais que Yves m'invitera certainement à tirer quelques bords. Merci beaucoup, Jacques. Tu peux répondre aussi Jacques, qui nous a fait le plaisir de venir ici à Lorient. Merci, le directeur. Je suis flatté d'entendre la part de Jacques... d'entendre le fait que je sois bon capitaine. C'est toujours agréable à entendre. Et puis évidemment, il est le bienvenu à bord. Et ça, il le sait depuis longtemps. Oui, merci. Oh, superbe finish entre deux directeurs de course. Merci beaucoup, Jacques Carès. Merci à tous les intervenants. Merci à tous les soutiens. Yves, on y va ? Ouais, c'est parti. Voilà, y a Sandrine qui nous attend avec le semi-rigide. On embarque avec Samuel. Donc nous arrivons sur le dénouement. Si tu peux, si le micro porte. Ah ben on peut essayer, on peut essayer avec le micro. Alors soyons fous, défi technique, si ça coupe c'est pas grave. Donc un grand merci, hop, à toutes les équipes techniques. On va prendre les distances, évidemment. Donc finish. Sur Facebook, vous voyez, nous sommes dans les dernières minutes de ce live. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'aventure ne fait que commencer. Un grand remerciement. J'ai réussi à faire rigoler Samuel Tual un jour comme une mise à l'eau. Un grand merci, hein, Samuel, d'être venu. Yves et la team actuelle, ils attendent toutes et tous là sur ce magnifique bateau. À la capitainerie et l'équipe du port, à Pierre Abruzzini et Isé Goria pour cette magnifique réalisation. La production et l'ensemble de l'équipe technique, hein, sans faute, nous étions en confiance, nous sommes en confiance. À tous les skippers pour leur soutien, à tous les collaborateurs et à la direction de la communication Actual Group. Donc sur ces magnifiques images... Nous voilà à l'abordage. Magnifique couleur. Allez, attention. Nous voilà sur l'ultime actuelle 3.
le drone pour la photo de famille. Je vais passer ensuite la parole, le micro à Samuel et à Yves Leblévesque qui feront cette conclusion. Un grand merci à tous les messages des skippers, des championnes et des champions. Un grand merci sur le live de nous avoir suivis, à tous vos commentaires. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, à nous envoyer les emails, les numéros, si vous voulez peut-être devenir le co-skipper d'Yves Leblévesque sur ces grandes courses à venir. Photo finish, ensuite il y aura des replays sur YouTube. Tout le monde doit lever les bras, la team actuelle. Il n'y a pas de public, mais l'équipe technique peut applaudir. Et donc, pour ce finish, je vais laisser le micro à Samuel et Yves pour ce clap de fin. Samuel, voici le micro. Merci en tout cas à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bon vent à toute cette équipe. Oui, merci. Merci vraiment à tous pour cette merveilleuse journée. Merci à l'ensemble du team qui a vraiment beaucoup travaillé pendant ces 4 mois et qui nous a permis de vivre ce moment aujourd'hui. Et puis merci à tous les prestataires et tous les intervenants aujourd'hui. Merci Christophe pour ton animation. Et à très vite à tous sur l'eau. Et bien, moi je dis merci à tous les internautes qui nous suivent. Je sais que vous êtes très nombreuses, très nombreux. On a aujourd'hui, pour toute l'équipe, c'était un moment très important. Parce que même si c'est une petite ligne dans notre job list, c'est une ligne qui se voit. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres lives. Micro coupé. Bravo.